In symposiums like this, dans des colloques comme celui-ci, it's used, many times we have statements of consensus. Il est habituel d'avoir une affirmation de consensus, déclaration de consensus. People ask, what you discuss several ideas and so, but what are the conclusions that you came? Certains posent parfois la question, vous avez discuté, mais de quoi avez-vous parlé? Quelles ont été vos conclusions? So we had a, we have a drafting committee of seven. Donc un comité de pour établir un brouillon a été constitué de 7 personnes. And we worked in a draft of a statement of consensus. Donc on a fait une première esquisse d'un consensus. And we will be reading it in a few minutes. Et donc nous allons le lire dans un instant. You could pay attention to it. Vous êtes invité à porter une attention soutenue à ce texte. In case you have some kind of editorial or any kind of suggestions. Si vous avez des suggestions d'amélioration, de correction, elles sont les bienvenues. Write down. Écrivez-les. And you can then approach Gabriel Monet. Donc vous pouvez approcher soit Gabriel Monet, the secretary, le secrétaire de ce petit comité, for us to consider. Afin que nous puissions les considérer ensemble. Your suggestions, yes. Et donc vos suggestions. Just keep in mind something. Gardez à l'esprit une chose. Your opportunity to present some suggestions. Vos opportunités d'apporter des suggestions ou des corrections. Is after the end of the program this afternoon. C'est jusqu'à ce soir, à la fin du programme, dans les minutes qui suivront, vous pouvez faire vos remarques. Tomorrow before we finish our program. Demain, juste avant de finir notre programme. We will just vote it without any kind of observation. Nous relirons et voterons simplement ce texte sans à ce moment-là prendre d'autres remarques. This is your opportunity. Donc c'est votre opportunité, votre possibilité. Speak now or no more. Parlez maintenant ou jamais. And this will be in private and later on. Et bien sûr, on peut en parler de manière privée. But if you agree, just let it go. You don't need to. Et si vous êtes d'accord, il n'y a pas de souci, on laisse les choses aller. Just for the sake of. Voilà, mais l'idée, c'est vraiment qu'il y ait quelque chose qui soit collectif, qui est mal, même si on ne va pas prendre du temps pour établir un texte tous ensemble. So let's go for the reading of the statement. Donc lisons maintenant le déclaration de consensus, et c'est le plus jeune de ce comité d'écriture qui va nous faire cette lecture, Marc Diankov. Du 22 au 24 juin 2018, un colloque sur le don de prophétie a eu lieu sur le campus adventiste du Salève de Collonges, en France, avec un accent particulier sur la manifestation moderne du don de prophétie dans la vie et le ministère d'Ellen White de 1827 à 1915. Nous, les participants à cet événement, adoptons la déclaration de consensus suivante. Nous réaffirmons notre plein engagement envers la Bible en tant que seule règle de foi et de vie. Nous reconnaissons que la Bible a promis que l'Esprit Saint accorderait des dons spéciaux à l'Église chrétienne, à travers les âges, la conduisant vers l'unité de la foi et la plénitude du Christ. Éphésiens 4, 11 à 14. Nous réaffirmons que l'un des dons spirituels est le don de prophétie et nous exprimons notre confiance que Dieu a béni son Église du reste des temps de la fin avec ce don. Apocalypse 12, 17 et 19, 10. Nous réaffirmons que la puissance du Saint-Esprit s'est manifestée dans la vie et le ministère d'Ellen White. Véritable prophète, ses écrits sont inspirés et aide les enfants de Dieu à être fidèles à la Bible et à ses enseignements. Nous réaffirmons que les écrits d'Ellen White ont la même autorité prophétique aujourd'hui qu'à l'époque de son ministère prophétique. Lorsque nous interprétons les écrits d'Ellen White, nous devrions considérer tous ces écrits liés à un sujet donné, en étudiant le sens de ces mots dans leur contexte historique et littéraire. Nous reconnaissons aussi que dans tout ce processus, nous avons besoin d'être guidés par le Saint-Esprit. Nous réaffirmons que les principes énoncés dans les écrits d'Ellen White sur le mode et style de vie adventiste
y compris la réforme de la santé et l'éducation globale, sont pertinents et nécessaires pour nous aujourd'hui. Nous réaffirmons que les sermons doivent être basés sur les Écritures, en tenant compte de la contribution des écrits d'Ellen White. Nous réaffirmons que la mission de l'Église et ses méthodes d'évangélisation doivent être fondées sur des principes bibliques solides et s'inspirer des écrits d'Ellen White. Il est de notre responsabilité d'atteindre et d'engager les nouvelles générations dont les questions et les défis exigent des approches novatrices afin de rendre le ministère prophétique d'Ellen White pertinent. Nous réaffirmons notre engagement à lire et à étudier quotidiennement la Bible en nous enrichissant des écrits d'Ellen White et à encourager les autres à faire de même. En tant qu'adventistes du septième jour, nous réaffirmons notre engagement inconditionnel envers la Bible en tant que parole de Dieu et notre acceptation des écrits d'Ellen White comme divinement inspirés, qui nous aident à comprendre la Bible et à appliquer ses principes à toutes les dimensions de la vie chrétienne. So you have the statement just being read. Vous avez donc ce statement, cette déclaration qui a été lue. If you have any doubts, you can see the document itself. Si vous avez des doutes ou si vous voulez revoir, il y a quelques copies imprimées de ce document. And any remarks you can offer. Vous pouvez faire et offrir vos remarques. To the end of the program. Avant la fin du programme. Thank you. Merci beaucoup. Vous pouvez toujours écrire vos questions et nous allons les recevoir, les collecter. Donc à la fin de la dernière présentation, j'aimerais aussi vous dire qu'il y a la possibilité aussi de visiter le musée adventiste qui se trouve au-dessous de la bibliothèque. Et le rendez-vous c'est 7h30 devant la porte de la bibliothèque. Voilà. Maintenant, nous allons écouter notre présentation de ce soir, la dernière, faite par Sergio Becerra. Sergio est marié à Gabriela. Il a trois enfants, Marielle, Stéphane, Sébastien. J'ai eu l'occasion de le connaître il y a 2 ans à Friedensau lors d'un colloque sur Luther. Il est originaire du Chili. Il a travaillé en Argentine, mais avant de commencer son ministère, il avait commencé des études en Amérique du Sud et puis il est venu les terminer à Collonges. Un Collongeois qui nous revient. Et ensuite, après, il a été pasteur pendant 11 ans. Il est revenu pour avoir un doctorat de théologie à Strasbourg. Et ensuite, après, il a enseigné à l'Université de La Plata. Aujourd'hui, il est aussi directeur du centre White et professeur. Ok, je lui laisse la parole. Bon après-midi à tous. J'entendais ce matin Reinaldo faire ses explications à propos de la langue. Je sens la même chose. On s'en sert pas trop du français là, en Amérique du Sud, alors. J'espère votre bienveillance pendant que je présente ces sujets. C'est à la fois pour moi un grand motif de joie d'être ici. C'est une sorte de pèlerinage de retour depuis tant d'années, autour de 32, 30, 34 ans, Reynaldo. Hein? On était à la même époque ici.
Alors c'est vraiment un plaisir de pouvoir voir l'institution continuer à avancer, à améliorer et faire la mission que Dieu lui a donnée. Bien, nous allons parler alors sur l'interprétation des écrits d'Ellen White. J'ai mis comme titre « Comment lire les écrits d'Ellen White ». Pourquoi les dire dans ces termes ? C'est toujours un défi de pouvoir comprendre un auteur. On peut lire ce qu'un auteur a écrit, mais ce n'est pas toujours évident qu'on comprend ce qu'il veut vraiment transmettre. C'est un défi qu'on a quand on étudie les écritures. Et ça devient beaucoup plus difficile dans la mesure que le temps passe. Et bien que Ellen White a écrit il y a à peu près 150 ans environ, ses écrits, il y a une culture qui nous sépare, il y a une langue aussi, et cela pose quelques problèmes. Alors, je voudrais partager avec vous, merci, quelques principes herméneutiques qui pourront nous être utiles quand on lit les écrits de Madame White. J'ai choisi délibérément de le faire assez pratique, bien qu'on peut entrer dans ce sujet d'une façon assez technique aussi, mais pour le bénéfice de différents types de personnes qui pourraient écouter ou voir cette présentation, on va le présenter dans 9 points, certaines choses qui doivent être prises en compte. Ces principes, ce sont des principes que Ellen White même a utilisé et a prouvé pour la lecture de ses écrits. Parce que même à son temps, elle avait des gens qui avaient des difficultés à utiliser et à comprendre ce qu'elle disait ou elle écrivait. Bien, on va commencer avec les premiers. Le premier conseil, initier la lecture avec une approche saine. Qu'est-ce qu'on veut dire par ça? C'est très important quand on s'approche à la littérature, aux écrits, à une personne, de pouvoir avoir une disposition à comprendre ce que l'auteur veut transmettre. Et quand c'est le cas d'un écrit qu'on considère un écrit sacré, il y a un respect spécial que nous devons avoir pour ces écrits, si on a la foi. C'est le cas de ce qu'on devrait faire quand nous nous approchons aux écrits de Madame White. On peut avoir une perspective positive ou une perspective négative. Ellen White même, elle propose une activité et deux attitudes nécessaires pour avoir une lecture profitable de ses écrits. Voilà. Un conseil qui est bien, bien pratique, elle dit qu'on faudrait toujours... Il faudrait toujours lire la Bible et aussi ses écrits avec de la prière avant tout. On pourra aussi obtenir une orientation et de la compréhension vraiment profitable si on le fait comme ça. Pourquoi est-il important d'avoir une prière avant d'avoir une lecture profitable des écrits inspirés? Parce que nous voulons être sur la conduction du même esprit qui a guidé la composition de ces écrits. C'est très important que nous soyons en communion avec Dieu dans ces procès. En deuxième place, il faut avoir un esprit d'ouverture et un esprit équilibré. Ce n'est toujours pas évident de pouvoir le faire. Qu'est-ce qu'on veut dire par un esprit ouvert? Nous avons tous des préjugés. Souvent, on peut avoir une conversation avec quelqu'un qui a des idées négatives à propos de nos croyances. Et nous pouvons voir qu'il y a une résistance, il y a un mur qui sépare, et c'est difficile de pouvoir communiquer quelque chose de notre foi, de nos doctrines, quand il y a quelqu'un qui n'est pas prêt
à écouter et comprendre ce que nous voulons dire. Alors, quand nous nous approchons vers les Écritures ou dans les écrits d'Ellen White, c'est important que nous soyons ouverts à l'influence du Saint-Esprit. Et cela doit être accompagné avec une attitude équilibrée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous voulons essayer d'éviter les extrêmes dans cette approche. Par exemple, Ellen White dit en ses propres mots dans le livre « Les paraboles de Jésus » « Si vous sondez les Écritures avec le dessein d'y trouver la confirmation de vos opinions, vous n'arriverez jamais à la connaissance de la vérité. Faites-le pour savoir ce que le Seigneur dit. » Et finalement, troisième conseil qu'elle donne, c'est d'avoir une attitude mentale saine. Qu'est-ce que ça veut dire, avoir une attitude mentale saine? C'est-à-dire avoir de la foi, ouvert à la foi. Parce que si nous sommes dans une attitude de doute, c'est-à-dire le doute qui est le pas intérieur qui est juste avant le scepticisme, cela n'aidera pas que notre expérience de lecture et de méditation du livre inspiré soit profitable. Là aussi, quelques mots qui disent « Dieu donne des preuves suffisantes à celui qui veut croire avec candeur, mais quiconque se détourne de l'évidence parce qu'il a quelques points que son intelligence bornée ne peut saisir, sera laissé dans l'atmosphère glaciale de l'incrédulité où sa foi fera un naufrage. » Bien, nous passons au deuxième point. Étudier les écrits d'Ellen White à la lumière de l'Écriture. Je me souviens que quand j'étais étudiant ici, dans une des réunions de la Fédération de l'Union, je ne me souviens pas, il y avait des frères qui étaient en train de distribuer des imprimés. Et puis, il y avait un dessin qui disait « Une seule écriture et une seule interprétation. » Vous pouvez comprendre là ce qu'il voulait dire avec ça. Que comme adventistes, nous croyons dans l'écriture comme la seule source de paroles inspirées de Dieu, mais il y a une seule manière de l'interpréter, c'est à travers la vision d'Ellen White. Alors, c'est très intéressant le fait que Ellen White n'a jamais accepté cette perspective. Elle a toujours dit que nous avons, comme adventistes, une seule règle de foi et doctrine. Et à plusieurs occasions, quand il y avait des discussions théologiques dans l'Église adventiste et on voulait résoudre ça par l'utilisation de ses écrits, elle a dit « Non, ce n'est pas la façon comme nous faisons les choses dans l'Église adventiste. » On doit décider des questions de foi, de doctrine, nous devons aller à l'Écriture. Dans l'histoire de notre Église, il y a eu deux occasions quand un très grand débat a surgi dans l'Église, par exemple autour de la nature de la foi, dans l'Épître aux Galates en 1888, le débat autour de l'identité du continu de Daniel 8 en 1907. Dans les deux occasions, Ellen White a dit « N'utilisez pas mes écrits pour définir la doctrine. Faites comme nous avons fait au début. Étudiez la Bible, faites avec la prière et le Seigneur va vous guider à trouver les réponses. » Alors, si elle n'est pas là pour nous éclaircir l'étude de la Bible, alors quel est le rôle des écrits d'Ellen White alors? C'est très intéressant qu'elle dit que... Elle dit que le rôle de ces écrits, c'est d'amener l'Église vers la Bible. C'est nous conduire de retour vers les Écritures. Je crois que vous connaissez l'expression qu'elle-même a dit que ces écrits étaient une lumière mineure et la Bible, c'était la lumière principale. C'était une des expressions que j'avais du mal à comprendre. Mais à deux ans, là, j'ai fait une recherche pour prendre un article qu'on m'a demandé de préparer pour une revue de notre Église. Et en étudiant ce qu'elle dit autour de cette expression, j'étais impressionné
en découvrant la façon comme Ellen White procédait chaque fois que Dieu lui donnait un message pour quelqu'un. Et c'est devenu plus clair dans mon esprit. Elle disait que quand Dieu lui donnait un message d'avertissement particulier pour une personne, ce qu'elle devait faire, c'est aller avertir cette personne, mais quand elle parlait avec elle, elle utilisait la Bible. Elle lui citait les Écritures. Et si la personne ne réagissait pas devant le message biblique, alors elle lui disait directement le message de la part de Dieu. « Voilà, frère, Dieu dit ceci et cela à propos de votre style de vie ou votre conduite en ceci ou cela. » Mais sa première, ce que Dieu demandait d'elle, c'est qu'elle s'en sert des Écritures parce que c'est le procédé que nous devons faire toujours comme adventiste, aller à la Bible. Et ces écrits, quand nous l'utilisons correctement, nous aident justement à faire ces procédés. Je peux le dire par expérience, quand je lis des livres comme la vie de Jésus-Christ, comment ça se dit en français ? Jésus-Christ. Ça m'étonne des fois de voir combien elle est en train de citer les Écritures. Et ça fait penser au passage de la Bible, et peut-être elle éclaircit avec quelques commentaires, mais elle est constamment, ou elle est imbibée de textes bibliques. C'est sa façon d'écrire et de réfléchir. Bien, nous passons à un autre point. Le troisième point, c'est focaliser sur des questions centrales. On peut lire les écrits inspirés de deux manières différentes. Une, c'est en recherchant des sujets nouveaux, différents ou marginaux, ou en cherchant les questions centrales d'après l'auteur. Alors là, Ellen White, elle en parle et elle nous avertit à propos de ce sujet dans un de ses livres de l'année 1891 en disant « Nous devons être vigilants de peur que, sous prétexte de chercher de nouvelles vérités, Satan détourne notre esprit du Christ des vérités spéciales pour ce temps. On m'a montré que c'est un tour de l'ennemi de conduire les esprits à s'arrêter à des points obscurs, sans importance, qui n'ont pas été pleinement révélés ou qui ne sont pas essentiels à notre salut. Cela devient un thème absorbant, la vérité présente, quand toutes ces investigations et suppositions ne servent qu'à obscurcir le sujet plus qu'avant et à embrouiller les esprits de ceux qui devraient rechercher l'unité par la sanctification de la vérité. » Je lisais un des livres de George Knight. Il dit que quand il était jeune pasteur, il avait tendance à faire justement ce que le White dit qu'il ne faut pas faire. Il était fasciné par l'idée de trouver quelque chose de marginal que personne d'autre avait remarqué et pouvoir le sortir et dire « Voilà, j'ai trouvé, c'est une nouvelle vérité que nous tous on devrait faire attention. » Mais le problème avec ça, c'est que on peut perdre de vue ce qui est central, ce qui est le plus important, ce qui est central. Alors, quels sont ces sujets centrales? Je lis un passage de livre « L'éducation » où Ellen White dit les paroles suivantes. « La Bible est son propre interprète. Ce n'est qu'à l'écriture que l'on peut comparer l'écriture. Celui qui l'étudie doit apprendre à considérer la parole de Dieu comme un tout et à voir les relations qui existent entre ses différentes parties. Il doit apprendre à connaître le thème central du Saint-Livre, les plans originels de Dieu pour le monde, la montée du grand conflit, l'œuvre de la rédemption. Il doit comprendre la nature de deux forces qui se combattent, apprendre à relever l'empreinte dans les récits de l'histoire et de la prophétie, jusqu'à l'accomplissement de toutes choses. Il doit voir que cette lutte se poursuit à tous les instants de l'expérience humaine, que dans chacun de ses actes, il agit lui-même selon l'une ou l'autre de ses forces antagonistes et qu'à chaque instant, il choisit son camp et qu'il la veuille ou non. Je crois qu'elle est assez claire dans ce qu'elle est en train de dire. Nous devons porter notre vue sur ces thèmes centraux.
centrale qui nous aide justement à avoir une vision de, intégrale qui nous permet de justement de comprendre mieux le message biblique et enrichir notre expérience religieuse. Il y a quelques mois, il y a un colporteur qui est passé par le centre White là, en Argentine, et on parlait de différentes choses, et il m'a dit, vous savez, j'ai lu tous les livres d'Ellen White. Alors je lui demandais, qu'est-ce que vous en avez tiré? Qu'est-ce que ça a représenté pour vous? Et il m'a dit, vous savez, j'ai l'impression que celui qui est en contact avec le message de l'Écriture et aussi des écrits d'Ellen White ne sera pas trompé à la fin des temps. Parce que ça nous aide justement à pouvoir voir l'ensemble de ce qui est en train de se dérouler autour de nous et éviter justement d'être trompé par les agissements de l'ennemi dans les fins des temps. Bien, quelque chose là qui est resté. Comment savoir clairement ce qu'il y a une question centrale? Elle dit encore dans le livre de l'éducation, le thème central de la Bible, celui auquel se rattachent tous les autres, c'est et les plans de la rédemption, de la restauration en l'homme de l'image de Dieu. Bien, nous avançons au quatrième point, prendre en compte des problèmes de communication possibles. Alors, là, j'entre avec une autre citation où elle dit « Les esprits portent des empreintes différentes. Tous ne comprennent pas de la même manière une expression ou une déclaration. Il en est qui comprennent les déclarations de l'Écriture avec leur mentalité et leurs désirs. Des idées arrêtées à l'avance, des préjugés, des passions contribuent puissamment à obscurcir l'entendement et à jeter la confusion dans l'esprit, même quand il s'agit de la lecture de l'Écriture sainte. » Alors, c'est quelque chose de très intéressant. Que l'Écriture, même les auteurs sacrés, les prophètes, quand ils ont été inspirés par Dieu, Dieu a pris en compte le fait que nous avons différents tempéraments, différentes cultures, et que Dieu respecte ces différences et essaye de nous atteindre d'une façon ou d'une autre, quelque chose qui m'étonne beaucoup. Je me souviens que quand je vivais aux États-Unis, je me suis retrouvé avec un ancien colongeois qui allait dans les églises afro-américaines à New York. Et il me disait, j'aime pas les cultes ici. Pourquoi? Il dit, parce que c'est très passionné. Et ça, les prédicateurs sont vraiment enthousiastes. Et puis les gens, ils participent du culte. Et quand ils sortent, à la sortie, les gens ils me demandent « Alors, mon frère, qu'est-ce que vous avez ressenti ?»« What did you feel, my brother ?» Alors, lui, avec son éducation française, il a dit « Moi, je veux qu'on me dise « Qu'est-ce que vous avez réfléchi ?»« Parce qu'est-ce que j'ai ressenti ?» Alors, ça me faisait rire, parce que c'est une différence culturelle très importante. Et nous savons ici en Europe combien les différences culturelles impactent la façon comme nous nous rapprochons des choses spirituelles. On ne peut pas parler des religions de la même façon des gens d'origine latine que ceux du nord de l'Europe. Et c'est très important que nous prenions ces choses en compte, parce que des fois, un même message peut être compris d'une façon différente d'après nos racines, nos caractéristiques culturelles ou nos projets, notre formation. Alors, Ellen White dit, pourquoi avons-nous besoin d'un Matthieu, d'un Marc, d'un Luc, d'un Paul et de tous les auteurs qui ont témoigné de la vie et du ministère du Sauveur? Pourquoi un seul de ses disciples n'aurait pas pu rédiger un rapport complet et cohérent sur la vie terrestre du Christ? Pourquoi un auteur insiste-t-il sur des points que l'autre ne mentionne pas? Si ces points ne sont pas essentiels, pourquoi tous ne les mentionnent-ils pas? Les sommes sont différents. Tous ne comprennent pas les choses de la même façon. Certaines vérités bibliques frappent davantage l'un plutôt que l'autre. Alors, ce qu'elle propose, c'est que nous comprenions ces différences
des tempéraments. Et c'est pour ça que le prophète va dire le même message dans différents contextes, de différentes manières, pour pouvoir nous attendre tous avec ce message. Et c'est quelque chose que nous devons prendre en compte. Et cela est en rapport avec le point qui suit, numéro 5, rassembler toute l'information disponible sur un sujet. Bon, ça c'est un thème qui provoque des fois des discussions avec mes élèves, parce que quand on ne connaît pas trop sur la manière d'étudier la Bible, les écrits de Madame White, des fois les élèves avec une citation sur un sujet, Madame White dit ceci, pas besoin de chercher davantage, on sait déjà ce qu'elle dit. Mais quand on fait de l'herméneutique, on comprend que des fois ce n'est pas facile de comprendre un auteur. Et pour être sûr qu'on comprend vraiment sa pensée, c'est beaucoup plus ça que nous essayons de prendre le tout de ce que l'auteur dit sur un sujet pour pouvoir être sûr d'avoir bien compris ce que l'auteur dit. Arthur White, le petit-fils de Ellen White, dit à ce sujet, « Beaucoup ont fait erreur en interprétant l'essence des témoignages en prenant des déclarations isolées ou des déclarations hors contexte comme base de leur croyance. Certains le font même lorsqu'il y a d'autres passages qui, s'ils sont examinés avec soin, montreraient que la position prise par la base d'une déclaration isolée est insoutenable. Il n'est pas difficile de trouver des phrases ou des paragraphes dans la Bible ou dans les écrits d'Ellen White qui peuvent être utilisés pour soutenir ses propres idées au lieu de mettre en évidence la pensée de l'auteur. » Alors, justement, pour soutenir ce que nous avons présenté, il y a deux façons d'aborder les écrits de White ou d'un autre auteur. C'est de rassembler tout le matériel pertinent sur un sujet, ou sélectionner un matériel des phrases ou des paragraphes d'après ce qui me plaît. Et puis après avoir l'impression que j'ai compris ou j'utilise correctement un auteur, mais je suis loin peut-être de l'avoir fait correctement. Je donne un exemple que est sûrement connu par beaucoup ici. C'est l'attitude qui convient à la prière. Il y a une déclaration de Madame White où elle dit que la position où nous devons nous mettre quand nous prions, c'est toujours à genoux. Mais il y a d'autres déclarations, même dans le même livre où se trouve cette première déclaration, où elle dit « Il n'est pas nécessaire toujours nécessaire de se mettre à genoux pour prier. Lesquelles de deux déclaration, nous devons retenir. Il y a des gens qui choisissent, voilà, celle-là me plaît le plus, je choisis celle-là. Et il y en a certains qui se mettent à genoux chaque fois qu'ils font une prière. Mais si nous faisons le procès correct, d'essayer de comprendre le principe qui est derrière, qu'est-ce que l'auteur a essayé de transmettre avec ses déclarations, ce que nous devons trouver, c'est cette idée de base. Et ce qu'elle veut transmettre, c'est l'idée de respect, de le fait que nous reconnaissons Dieu qui est au-dessus de nous. Alors, si nous le prenons en compte, les deux déclarations sont... ne sont pas contradictoires. Alors, en lisant un petit peu le contexte de ces deux déclarations, on voit que la première, Madame White, elle est en train de parler du fait que nous devons être respectueux devant Dieu en chaque occasion que nous prions. Des fois, pour le montrer, ça sera à genoux. Si nous sommes assis, nous pouvons le faire en nous levant ou en inclinant la tête.
Mais à la fois, elle ne veut pas donner l'impression que pour prier, pour être en communion avec Dieu par la prière, c'est nécessaire d'arrêter tout et de chercher les conditions possibles. Quand elle parle dans la deuxième phrase du fait que nous n'avons pas besoin de nous mettre à genoux à chaque fois, elle le dit parce que nous pouvons être en communion avec Dieu à n'importe quel moment, et même quand nous sommes occupés à différentes activités, parce que Dieu veut être en communion avec nous par la prière, et nous pouvons le faire et quand nous ressentons le besoin. Bien, continuons. Alors, avec le suivant point, éviter les interprétations extrêmes. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Je crois que l'extrémisme, c'est une question d'une certaine attitude mentale, une certaine approche envers un problème ou un sujet. L'extrémisme est justement le manque d'équilibre dans nos procédés quand nous devons prendre des décisions ou faire des choix en question de vie spirituelle. Nous avons ici un passage de Testimonies for Ministers où elle dit: il y a des gens qui sont toujours prêts à s'échapper par quelques tangentes, qui sont excités par quelque chose d'étrange, de saisissant et de nouveau. Mais Dieu veut que nous agissions tous avec sérénité et considération, choisissant des mots qui soient en harmonie avec la vérité substantielle pour ce temps, qui doit être présenté à la considération de l'esprit aussi libre que possible de l'émotionnel, préservant même la ferveur et la solennité qui lui correspondent. Nous devons nous prémunir contre les extrêmes et éviter d'encourager ceux qui cherchent à être en feu ou dans l'eau. Bien, nous avançons. Étudier chaque énoncé dans son contexte historique et littéraire. Celui-ci est un des principes les plus importants dans l'interprétation de l'écriture ou même des écrits d'Ellen White. Quand on parle des contextes historiques et littéraires, les contextes historiques, c'est le cadre un peu plus large autour de l'écrit qui est en rapport avec l'époque, la personne à qui a été adressée une lettre, les circonstances, pourquoi un article, une lettre, un livre a été écrit. Et le deuxième aspect, le cadre littéraire, c'est le contexte dans un livre, dans un chapitre. C'est quand nous faisons de l'exégèse de la Bible et en prenant en considération ces aspects littéraires, on est en train de prendre en compte ces aspects-là. Ok, 5 minutes, bon, on a du temps là pour les deux derniers points. Bien, finalement, reconnaître la compréhension d'Ellen White de l'idéal et du possible. Alors, un des sources de sérieux problèmes de foi dans la compréhension de déclarations des écrits d'Ellen White, et quand Ellen White utilise un langage qui est assez énergique et qui est fort, et les gens des fois le prennent au pied de la lettre en se disant: bon, elle dit toujours, elle dit jamais, bon, c'est toujours ou c'est jamais, alors il n'y a pas de nuance possible. Mais c'est très intéressant en lisant Ellen White, qu'on trouve aussi des déclarations où elle nous laisse de l'espace, de la place pour que nous puissions considérer l'application de ces conseils, parce qu'elle savait, elle comprenait que des fois ce n'est pas possible de faire les choses dans l'état idéal, et que si on a une situation
dans lesquelles ce n'est pas possible de faire appliquer le conseil 100%, eh bien, si nous le faisons à 90% ou 80%, ben, c'est mieux que rien. Et nous avons un exemple, par exemple, qui arrive souvent quand on parle de l'éducation chrétienne. Elle dit, Fundamentals of Christian Education, les jeunes ne peuvent jamais être correctement éduqués dans ces pays ou dans un autre pays, à moins qu'ils ne soient séparés par une longue distance de ville. Alors elle dit bien, jamais. Toutes nos écoles devraient être situées à la campagne. Il y a des gens qui prennent ça au pied de la lettre, ils disent non, on ne devrait pas avoir des écoles dans les villes, il faut toujours le faire à la campagne. Mais il y a un problème, c'est que de plus en plus, les membres des églises, de l'église adventiste, ils vivent dans la ville. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On laisse tous ces membres de l'église sans la possibilité d'avoir accès à l'éducation chrétienne? Et non, il faut travailler aussi pour les villes, pour ces églises, pour les gens qui sont là. Et elles comprenaient ça parfaitement. Et nous allons finalement parler d'un dernier conseil qui a un rapport avec celui qu'on vient de mentionner. Utiliser les bons sens sanctifiés. Qu'est-ce qu'elle veut dire par là? Ellen White était très exaspérée contre ce lecteur qui a adopté une attitude inflexible envers ses écrits et essayé de suivre la lettre de leur message tout en ignorant leurs principes fondamentaux. Et là, je voudrais vous raconter un cas que je trouve qui est très intéressant, qui naît à partir de cette déclaration où elle dit « Les parents devraient être le seul enseignant de leurs enfants jusqu'à l'âge de 8 ou 10 ans. » À son époque, quand elle a écrit ces mots, il y a dans la ville de Hillsborough où elle a pris sa retraite, la petite école adventiste locale a eu une dispute entre les professeurs, les maîtres de l'école, parce que certains professeurs disaient « Bon, Mme White dit qu'avant 8 ou 2 ans, les enfants ne devraient pas venir à l'école, alors pas besoin d'ouvrir des classes pour les enfants plus jeunes que ça. » Et le résultat était qu'il y avait des parents qui travaillaient, alors les enfants, ils ne pouvaient pas aller à l'école parce qu'il n'y avait pas de classe pour eux, et ils étaient dans la rue toute la journée. Alors, quelques professeurs ont dit, bon, ben, il faudrait faire quelque chose pour ces enfants. Alors, ouvrons une maternelle ou quelques classes pour ces enfants. Mais une dispute très forte s'est ouverte entre des professeurs qui voulaient suivre le conseil d'Ellen White strictement et d'autres qui voulaient être un petit peu plus flexibles. Mais ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. Alors, heureusement, Ellen White était toujours en vie et ils ont décidé qu'ils allaient faire une visite pour lui demander ce qu'il devait faire à propos de ce sujet. Alors, quand cette petite commission de gens sont allés la voir, elle a dit, mais c'est pas possible que vous veniez avec cette question ici. Évidemment, l'idéal, c'est que les parents puissent s'occuper de l'éducation des enfants dans la plus tendre âge. Mais si ce n'est pas possible, l'église, l'école doit faire quelque chose pour eux. Alors là, elle dit à ses propos, elle dit dans ses propres mots, « Sir White a dit tel ou tel, Sir White a dit ceci et cela, et nous allons donc procéder comme elle a dit. » Dieu veut que nous ayons du bon sens et que nous raisonnons avec bon sens. Les circonstances modifient les conditions, les circonstances changent la relation des choses. Alors, ce qu'il est en train de dire, c'est que nous avons besoin d'utiliser sur les conseils divins, mais à la fois avoir du bon sens sanctifié, appliqué aux questions de la vie pratique et la vie spirituelle. Dieu nous a donné un esprit. Nous devons l'utiliser, nous devons utiliser notre expérience, la conduction de Dieu pour pouvoir appliquer les conseils de l'Écriture et les écrits inspirés d'une façon responsable, d'une façon
réfléchi. Bien, nous arrivons à la fin, à l'heure de notre présentation. Que Dieu vous bénisse. C'est le moment de notre panel. Nous allons demander aux intervenants de la journée de venir et de se placer. Et nous allons, Gabriel et moi, co-animer ce moment-là. Okay. Je demande, we are going to ask Sergio and Nix, Richard Davidson, Alberto, yeah. Mario, yeah. Okay. Il y a trois là. En principe. La première question. Parmi les quatre mots utilisés pour les prophètes, où pourriez-vous situer Ellen White dans son ministère? Ça, c'est la première.
Et la deuxième, Moïse était le premier prophète, mais que penser des patriarches qui ont transmis la volonté de Dieu à leurs enfants? Donc, parmi les quatre mots utilisés sur les prophètes, où pourriez-vous situer Ellen White dans son ministère? Je pense que cette question pourrait être adressée à Reynaldo, puisque c'est lui qui a parlé ce matin dans son introduction des quatre mm-hmm. termes. Oui, je pense que les termes qui s'appelaient, qu'on pouvait utiliser pour Ellen White, c'était le terme Navi, Nevia. C'est le terme le plus commun dans la Bible. Et normalement, c'était le terme appliqué pour des gens qui étaient, avaient le don de la prophétie et que Dieu se manifesta au travers de cette personne. Hein. Alors, Navi, en féminin, c'était Nevia. Et nous avons beaucoup de femmes qui étaient appelées des Nevia, hein, des prophétesses dans l'Ancien Testament, et elle serait normalement quelqu'un qui recevait. Alors, la deuxième partie, Marcel, c'était par rapport aux patriarches. Oui, par rapport aux patriarches. Bon. Juste avant, uh-huh. Je vais essayer de rebondir sur la première question. Nevia, c'est vrai, c'est prophétesse. Et elle, quand elle parle d'elle, oui, elle bon. Dit, je ne suis... Je c'est ça dire. Ce que... Où on l'appellerait. Elle-même voilà. avait un problème. Elle n'aimait pas d'être appelée prophétesse. Oui. Elle, ça s'appelait plutôt la messagère du Seigneur. Oui. Hein? Bon, normalement, c'est l'expression messagère du Seigneur, nous ne la trouvons pas dans la Bible. Voilà. Alors, c'est la fonction qu'on voit, que c'est normalement, oui. Au moins qu'on l'appelle la bouche de l'Éternel. Oui. C'était la plus proche oui. d'expression qu'on aurait. Hein? Okay. Donc, la deuxième question. Oui, oui, d'accord. I agree with what he says. Je suis d'accord avec ce que Reynaldo a dit. But I would add, though we don't have messenger of the Lord. Même si nous n'avons pas l'expression messager du Seigneur ou messager du Seigneur dans la Bible. That in 2 Chronicles 36. Dans which is the last book of the Hebrew Bible. Chroniques, chapitre 36. Where God summarizes the messages of the prophet, he calls them, he says, I sent my messengers. Quand il y a un résumé du message des prophètes, Dieu dit, j'envoie mes messagers. The Hebrew malach. L'hébreu malach. So we do have a precedent for the word she chose. Donc quelque part, on a un précédent dans la Bible pour le mot que Ellen White a choisi pour se qualifier messagère du Seigneur. Je pense que c'est bien propos, et malach, ce serait un terme. On pense peu à malar parce que malar c'est plutôt utilisé aux anges. Oui. Mais bien sûr que dans la Bible, les melarim, les malars, c'était un messager de l'Éternel hein, et que l'on l'utilise bien. Alors, c'est bien on a une autre série de questions là. Alors, sur la question sur les patriarches, tu veux répéter, Marcel? Moïse était le premier prophète, ah oui. mais que pensaient les patriarches qui ont transmis la volonté de Dieu à leurs enfants? Oui, comme on dit, Moïse était le premier prophète. C'est un prophète avec une mission pour transmettre la parole de Dieu à quelqu'un que Dieu l'a envoyé. Par exemple, je pense que la Bible appelle Abraham comme prophète. Abraham, il a eu plusieurs expériences de prophète. Il a eu les visions de l'Éternel. Alors, il a eu un appel et il a eu le renvoi. Il a été allé. Mais n'a pas utilisé les mots, il dit « allez », mais pas « je l'enverrai ». L'envoyer, il n'a pas par rapport à Abraham. Alors, il y a une expérience comme prophète. Il intercède par rapport au roi Abimelech, mais aussi par rapport à Sodome et Gomorrah. Il participe du conseil de l'Éternel quand Dieu a parlé avec lui. Alors, il y a pas mal d'expérience d'Abraham comme prophète. Hein? Mais seulement que Moïse a toutes les caractéristiques d'un appel de quelqu'un qui est appelé pour une mission. Allez, rapporte ses paroles, prêche, annonce, appelle, conduit. Alors c'est pour ça qu'on dit que normalement Moïse c'est le premier prophète dans le sens plein du mot dans l'Ancien Testament. Alors on a une série de questions. Ah. On a une série de questions qui se rejoignent. Alors j'essaie d'en refléter l'esprit et je pense que ça pourrait s'adresser à quelques autres orateurs là. La première c'est, peut-on dire qu'il y a moins de prophètes à notre époque? Si oui, pourquoi? Et Ellen White, la Bible l'avait-elle annoncé? Notre question dit, pour la majorité d'entre nous adventistes, le terme esprit de prophétie est essentiellement pris
pour se référer au don d'Ellen White. Mais Joël 3 évoque cette... c'est une question en anglais, alors je traduis. Cette onction du Saint-Esprit dans les temps de la fin. Et elle parle des enfants, vos fils et vos filles, au pluriel, prophétiseront. Ils auront des songes et des visions. Alors, est-ce que nous sommes prêts en tant qu'adventistes à accueillir et peut-être discerner, pourquoi pas rejeter, ces prophètes au pluriel des temps de la fin? Et puis une question qui vient d'arriver, qui est complémentaire, l'esprit de prophétie se limite-t-il à l'œuvre des personnages bibliques et à celle d'Ellen White? Alors peut-être que Jim Nix ou Alberto Tim ou Gerhard Müller, qui a parlé de la prophétie de Joël ce matin, voudraient répondre par rapport à ces questions. Alberto. Let's start and then whoever wants. Oh, you were inclined to. The Holy Spirit is guiding you to answer the question. Est-ce que le Saint-Esprit t'inspire pour commencer à répondre? So I don't want to be rebellious. Yeah, I have pointed out that, or we have pointed out that there are spiritual gifts. These spiritual gifts are not limited in time. Nous avons mis en évidence le fait que les dons spirituels ne sont pas limités dans le temps. This applies also to the spirit of prophecy. Et donc c'est également le cas pour l'esprit de prophétie. The gift of prophecy. Le don de la prophétie. Now on the other hand it is God's sovereignty to decide when to have certain spiritual gifts and use them and some not. D'un autre côté, qui est habilité à dire qui a tel ou tel don spirituel, qui a les so dons prophétiques. Where one of the gifts is not very evident. Il y a certains dons spirituels qui ne sont pas forcément évidents à discerner. And then there may be periods where it is very strongly evident, like Pentecost. Il peut y avoir des moments où ces dons-là, spirituels, sont évidents et explicites. C'est le cas à la Pentecôte. And 1 Corinthians 12 tells us that the Holy Spirit gives gifts as he wills. Dans 1 Corinthiens 12, le texte dit que le Saint-Esprit donne des dons comme il veut. Now, if you look at the prophets in the New Testament, quand on aborde les prophètes dans le Nouveau Testament, you have some which are more prominent and others that are not. Il y en a certains qui sont plus mis en avant et d'autres qui sont plus discrets. For example, we hear about these daughters of Philip, as I mentioned. Par exemple, on évoque les filles de Philippe. And it says they prophesied, but qui that's all we know, basically. Mais c'est quelque chose qui reste très discret. On n'en sait pas beaucoup I would plus. Say we cannot exclude that the Holy Spirit was active through the gift of prophecy even in history, but we may not always know. Et donc, on ne peut pas nier que l'esprit de prophétie, le don de prophétie, se soit manifesté tout au long de l'histoire, mais parfois, on ne le discerne pas ou on ne le sait pas. Now, for example, the question also is raised for Adventists: why don't we have the gift of healing? The gift of healing. Pourquoi est-ce que dans l'adventiste ne se développe pas ou peu le don de guérison? Now, sure, we have physicians and so on, but the miraculous gift of healing. Alors, ça peut se manifester d'une certaine manière, mais c'est pas toujours évident. Et yeah, c'est we peu may manifeste. Have it. We may have it, but we just don't know. There are individual cases in the world church where that happens. Donc peut-être parfois on ne le discerne pas, mais il peut se passer. On ne sait pas toujours quand ce don s'est manifesté pour l'un ou l'autre, ici ou là dans le monde. On n'a pas forcément fait beaucoup de spectacles ou de mise en évidence de ces éléments. So in other words, the second question was: is the spirit of prophecy in the New Testament limited to Ellen White? No, I would not say. Et donc, est-ce que, si j'ai bien compris la question, est-ce que l'esprit de prophétie dont parle le Nouveau Testament était limité à Ellen White? Ma réponse est non, évidemment. So we have to be open for other revelations. Nous devons être ouverts pour d'autres manifestations de ce don de prophétie. Yeah. Yeah, it's just a few thoughts. Oui, quelques pensées. The gift of prophecy did not manifest itself always. Le don de prophétie ne s'est pas manifesté tout le temps. At least in the Bible, we see some kind of blocks or special moments in which it manifested. Once in a while, but there were some kind of concentrations of it. Dans les Écritures, dans la Bible, on voit qu'à certains moments, il y a comme une concentration, un rassemblement d'une manifestation prophétique. A pastor from Australia called Parker. Un pasteur d'Australie nommé Parker. He drew a diagram. Il a établi un diagramme in which he suggested that three
major truths are restored at the same time. Dans lequel il met en évidence que les vérités majeures se sont manifestées à trois moments spécifiques. The Sabbath, the sanctuary, and the gift of prophecy. Le sanctuaire et le don de prophétie. If this is the case, I don't know, maybe it's a little bit artificial, but anyway, it's basically to assist the process of restoration of truth. Je ne sais pas si c'est le cas, mais en tout cas, cela contribue à restaurer ce processus de vérité. Of course, we don't limit it to Ellen White, like Eckhart mentioned. Bien sûr, on ne veut pas limiter le don de prophétie Ellen White, comme Eckhart l'a évoqué. But we have to be careful with Joel chapter 2, verses 28 to 31. Mais il faut être prudent quand on aborde le texte de Joël chapitre 2, les versets 28 à 31. There it says that the Holy Spirit and of course the gift of prophecy would be given to all flesh. Là, il est mentionné que le Saint-Esprit et donc ses manifestations sera donné à toute chair. If everybody at the end of time would be called to a full-time prophetic ministry. Si à la fin des temps tous les êtres humains sont appelés à être des prophètes à plein temps, we would not have audience. Nous n'aurions pas d'auditoire. Everybody will be prophet. Chacun serait prophète. So, Mario, I prophesy to you and you prophesy to me. Alors, Mario, je prophétise sur toi et tu prophétises sur moi. Ou avec moi. I believe that the emphasis of the passage. Je pense que l'emphase, l'accent de ce passage. Is that there will be no limit to God's manifestation? Et qu'il n'y aura pas de limite aux manifestations de Dieu. That He can give a dream to somebody. Qu'il peut donner un rêve à quelqu'un. A vision to somebody else. Une vision à quelqu'un d'autre. An angel can appear to un somebody. Un appel à une autre personne. Only the Lord knows. Seul le Seigneur le sait. But it does not mean necessarily that everybody will be called to a prophetic ministry. Mais cela ne signifie pas que tout un chacun est appelé à un ministère de prophète. So I think that is foundational for us to understand. Je crois que ce qui est fondamental pour nous à comprendre. Or to make a distinction. Ou de faire la distinction. Between divine revelations that are not limited to. De faire donc cette distinction entre la révélation divine. And the call to a prophetic ministry. Et l'appel à un ministère prophétique. Like Ellen White had, for comme instance. Ellen White l'a eu par exemple. Jim Nix, je crois que vous vouliez dire quelque chose. I was just going to mention. Je voulais juste mentionner. That as Ellen White grew older. Alors que Ellen White est devenue plus âgée. People asked her if she had been shown if there would be another prophet. Quelqu'un lui a demandé. Des personnes lui ont demandé si. D'autres deviendraient prophètes après elle. It's interesting that in the newspapers, the Battle Creek newspapers reporting on her funeral. Et donc ceci est rapporté dans le journal de Battle Creek qui relate aussi son enterrement. Her son W.C. White was asked if he was going to be the church's next prophet. Et il est demandé si son fils allait devenir le prophète suivant. And the answer in all cases was God calls prophets, as has been. Et sa réponse here, a été, dans tous les cas, Dieu appelle des prophètes. Not the church. C'est pas l'Église. So, if she didn't know what's going to happen, I sure don't know. Donc si Ellen White ne savait pas s'il y aurait ensuite des prophètes, nous non plus. En tout cas, moi, je ne peux pas savoir. Actually, since I've been director, we really haven't had that many quotes prophets show up at the GC. Et j'ai pas compris. I said since I've become director, we really haven't had but one or two people show up claiming to be a prophet at the GC. Depuis que je suis responsable du centre Ellen White, on a eu certaines personnes qui se sont considérées comme étant prophètes. And in both of those instances, if they go back and take their medicine again, they wouldn't be having visions. Et voilà, on leur a dit, ben retournez, prenez vos médicaments et on verra bien. L'autre question. Pourriez-vous préciser l'évolution de la pensée de Madame White sur l'Église catholique romaine dans les versions de la Tragédie des siècles, plus précisément celle de 1858, les dons spirituels, celle de 1884 et de 1888? Dans celle de 1858, elle parle de l'Église catholique, même si parfois elle le fait en des termes très forts contre cette Église. De plus, elle écrit à plusieurs reprises « J'ai vu, il m'a été montré, etc. » Pourquoi ces expressions sont-elles moins usitées
dans les versions subséquentes, 1884 et 1888? Et pourquoi parle-t-elle autant dans les versions suivantes en termes si négatifs, même si plus tard, elle va modifier sa position et ce sera plus positif? Alors, qu'est-ce qui est vraiment inspiré? Merci de répondre à cette question. Sur l'évolution de la pensée d'Ellen White par rapport à l'Église catholique. Mais peut-être on peut élargir finalement à l'évolution de la pensée. I'm not personally aware that her thinking really changed all that much about the Catholic system. Je n'ai pas conscience ou je ne suis pas sûr que sa pensée ait véritablement changé à ce propos. Not individual Catholics per se. Alors en tout cas pas à propos des personnes individuelles catholiques. Now why does she drop the I saw from her later books? Si à un moment donné elle dit j'ai vu, ça ne va pas changer dans les livres suivants. Well, that's very simple historically why she did. Et donc c'est assez simple historiquement pourquoi elle a eu cette position. Her early books were sold primarily to Seventh-day Adventists. Ses premiers livres étaient fondamentaux pour l'essor de l'Église adventiste. They understood when she said I saw that she'd had a vision. Sorry. They understood that when she wrote I saw that she'd had a vision. Les premiers adventistes avaient compris que quand elle écrivait j'ai vu, ça faisait référence à une vision. But when they began to sell her books publicly with call porters or literature evangelists, we would say today. Mais quand elle a commencé à diffuser ses livres publiquement ou quand ses écrits ont été mis dans la littérature pour l'évangélisation, the expression I saw would mean nothing to a non-Adventist. Pour un non-adventiste, cette expression j'ai vu ne signifie rien. So, and it might even cause them to not read the rest of the book because they wondered what was going on. Et donc ça pourrait même encourager ses lecteurs à ne pas lire la suite du livre. It's interesting that between the 1888 edition and the 1911 edition, which is the current edition in English. C'est intéressant de voir qu'entre la version de 1888 du Grand Conflit et celle de 1911, Call Porters mentioned some terms that she had used that some Catholics found offensive. Certains Call Porters lui ont fait part du feedback de certains lecteurs qui avaient reçu négativement certains de ses propos. So without changing her theology, she did change the terminology to make it. Donc probablement qu'elle n'a pas changé le fond de sa pensée, mais qu'elle a tenu compte de cela en changeant sa terminologie, sa sémantique, sa manière de décrire. But I'm not aware that her basic Je ne pense pas qu'elle ait changé sa vue tout au long de sa vie sur le système de l'Église catholique. Actually, there is a doctoral dissertation by Brinsma, I think is from Holland, on the development of our Adventist understanding of Catholicism from the beginning till the Vatican II. En fait, il existe une thèse doctorale qui a été faite par Hendrik Brinsma, qui vient de Hollande, et dans laquelle il considère l'évolution de la position adventiste vis-à-vis de l'Église catholique jusqu'au Concile de Vatican II. If I understood well, si j'ai bien compris. He says that our position in regard to the Roman Catholic Church never changed. Il affirme que notre position vis-à-vis de l'Église catholique romaine n'a jamais évolué. We changed a little bit and became more friendly to the evangelicals. Nous avons évolué dans la mesure où nous sommes rapprochés un petit peu des évangéliques. So it's not only Ellen White but the church itself. Donc c'est pas seulement Ellen White mais l'Église dans son ensemble. In many circles today, dans beaucoup de cercles aujourd'hui, if you want to call to close a discussion, sometimes you say, "Well, this is of a Catholic origin." Si vous voulez clore un débat, vous dites, ah, mais ça, c'est d'origine catholique. Alors, une autre question, peut-être un petit peu en lien avec l'herméneutique, l'interprétation. Est-ce que la compréhension adventiste du texte biblique s'arrête avec l'interprétation qu'Ellen White a donnée? Si c'est le cas, quelle place accorder dans les débats théologiques adventistes? Et puis une autre question qui est en relation, y a-t-il des absolus et des relatifs dans les Écritures? Si oui, selon quels critères les différencier? Et la même chose chez Ellen White. Alors il y a peut-être une question de Sergio, puis après... Bon, la première question à propos de l'herméneutique. C'était justement des points que je présentais, peut-être pas été bien expliqué, mais
Nous ne pensons pas comme Église que les écrits de Madame White, c'est l'interprétation autorisée et l'unique possible. Elle-même, elle a rejeté ses rôles. Elle a toujours soutenu que la compréhension des Écritures devait être le résultat de l'étude des Écritures par l'Église même. Alors, elle a voulu toujours guider vers les Écritures. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas eu de l'influence sur l'Église dans un procès de maturation ou d'évolution positive à propos de la compréhension des Écritures. Historiquement, il y a quelque chose qui m'impressionne beaucoup, c'est que dans les origines, les tout débuts de l'Église adventiste, nos pionniers, ils ont défini et affirmé les doctrines principales, celles qu'on appelle les pillars. Mais il y a un certain nombre d'autres doctrines qu'on avait en commun avec d'autres chrétiens dont il y avait des erreurs doctrinales. Parce que certains de nos pionniers, ils avaient une tradition, par exemple, dont la compréhension du rôle du Saint-Esprit, de la personne de Jésus-Christ, n'était pas très biblique. Et on voit que Dieu conduit l'Église dans une direction, dans une évolution positive au cours du XIXe siècle. Alors, à certains moments, on voit que par l'influence de Madame White, par quelques déclarations qu'elle fait dans les livres Jésus-Christ, par exemple, cela conduit nos pasteurs, nos dirigeants à remettre en question quelques idées, quelques compréhensions qu'ils avaient sur la divinité. Et cela nous a conduit pas à prendre les écrits de Madame White pour dire voilà, c'est ce que Dieu. Mais plutôt, ça les a conduits à étudier les Écritures, à reformuler leur compréhension des doctrines. Merci beaucoup. Quelqu'un d'autre veut apporter un petit éclairage? Alors, on a peut-être une autre question qui n'est pas si loin que ça. Oui, Alberto. We have a document that's called the Rio de Janeiro document or the methods in methods of Bible study. Nous avons un document qui s'intitule Méthode d'étude biblique, voted in 1986, qui a été voté par la conférence générale en 1986. And that document says that Ellen White provides some kind of guidelines and insights in understanding the Bible text. Et ce texte donc affirme que Ellen White apporte des éclairages et des pistes à suivre, des lignes de conduite pour interpréter les Écritures. But she does not exhaust the work of exegesis. Mais il est clair qu'elle ne conclut pas sur tout le travail exégétique qui doit être fait sur la Bible. Of course, you will see that in Ellen White's writings there are some guidelines, some borders of Bible interpretation. Et donc elle pose un certain nombre de frontières dans l'approche de l'étude des textes bibliques. And this is precisely the reason when I will come to with my own fancy ideas. C'est la raison pour laquelle si moi je viens avec mon idée farfelue ou très originale, the first thing that I have to do is to remove Ellen White, take her out of the way, then I have freedom to go wherever I want. Eh bien, je dois mettre de côté Ellen White, comme ça je peux raconter ce que j'ai envie. But her goal really is to keep us faithful to the Bible. Mais elle nous invite vraiment à être fidèles à la Bible. And not to replace our study of the Bible. Et ne pas remplacer notre étude de la Bible. The function from the beginning was more of confirming truth and condemning error. Et donc c'est plus un don pour confirmer les vérités et pour mettre en évidence les erreurs. A human interest story. A human interest. J'ai une petite histoire. Dr. Roger Kuhn used to tell a story. I wish I knew the footnote because I don't know it, but it's still a good story on this point. Alors j'ai une bonne histoire d'un docteur là. At the 1888 General Conference. À la conférence de 1888, there was quite a strong discussion and disagreement between Uriah Smith and A.T. Jones concerning the identification of the 10 horns, 10 kingdoms. Il y avait une discussion assez forte entre Uriah Smith et Jones, en particulier sur la justification par la foi, puis sur les petites cornes et tout ça. And they agreed on 7, if I remember correctly, and 3 they disagreed on. Sur les
les 10 cornes. Ils ont été d'accord dans l'interprétation des 10 cornes sur 7, mais pas sur 3. So some of the students from Healdsburg College, which is where Ellen White was living at that time. Et donc des étudiants du collège de Healdsburg, là où Ellen White vivait. They thought we'll settle this question. Ils ont trouvé ce que c'est. We'll go ask Ellen White. On va demander à Ellen White. And so they came and posed the question, which is right. Et donc ils sont tournés vers Ellen White, ils lui ont posé la question. And Dr. Kuhn said Ellen White's response. She chuckled and she said, "You know what?" Eh bien, le docteur a répondu, mais vous savez quoi? I think that old beast had too many horns. Elle a dit, ben vous savez, moi je pense qu'il y a trop de cornes. In other words, go find out somewhere else. Don't come to Et me. Donc, allez trouver quelque part ailleurs des explications à tout cela. Merci. Alors, on va juste prendre encore deux questions pour ce soir, parce qu'après il sera temps d'arrêter. Mais nous aurons encore un temps demain de questions-réponses. D'accord. Donc, l'avant-dernière question. Paul utilise des citations tirées de la Septante. La Septante ne dit pas exactement la même chose que l'hébreu dans l'Ancien Testament. Enfin, oui. Alors, qui a raison? C'est une question de l'inspiration, en fait. This is for Eckhart. Paul is quoting the Septuagint. So. And if that is right? This is a difficult question. This is a difficult to answer. Typically, we would say that we give preference to the Hebrew text. Évidemment, on va toujours préférer se référer au texte original hébreu. The authors of the New Testament occasionally use also the Hebrew text. Mais c'est vrai que les auteurs du Nouveau Testament occasionnellement ont utilisé le texte grec, donc de la Septante, qui était la traduction en grec de l'Ancien Testament, qui était écrit en hébreu. That James is basically using the Hebrew text, not the Hebrew. Jacques, par exemple, lui utilise principalement le texte hébreu. Now, in most cases, I have the impression, I have to say, when dans la majorité des cas, mon impression, when the Septuagint is being used, it is quite faithful to the Hebrew text. C'est que quand la Septante est utilisée, c'est que le texte de la Septante est relativement fidèle à l'original hébreu. There are occasionally points that the Septuagint makes that the New Testament develop, but I think this is being done under inspiration. Parfois, cela peut apporter un éclairage supplémentaire et donc faciliter l'interprétation, mais on peut penser que cela est fait sur la base de l'inspiration. I'll just add that the book of Hebrews, j'ajouterai que le livre des Hébreux, Paul wrote the book of Hebrews, but that's another question. Après, on peut se poser la question de qui a écrit le livre des Hébreux, mais ça c'est un autre point. It consistently uses the Septuagint. Eh bien, le livre des Hébreux utilise de manière continue le texte de la Septante. And I think there's a reason for that. Et je pense qu'il y a une raison pour cela. Because he's writing to Jews that are in the diaspora who could not read Hebrew. Parce que l'auteur de l'épître aux Hébreux écrit aux Juifs qui étaient dans la diaspora, donc qui n'étaient plus en Israël mais répartis dans tout l'Empire romain et qui ne parlaient plus hébreu. So he cites the version that they would be familiar with. Et donc il cite une version de l'Ancien Testament duquel ses auditeurs seraient familiers. And before you go to the next question, I actually want to correct one mistake. Et avant qu'on passe à la dernière question, je voudrais corriger une erreur. Actually, there is one place where it talks about the messenger of the Lord. En fait, il y a un texte où la Bible parle du messager du Seigneur. Haggai chapter 1 and verse 13. Donc Haggai chapitre combien? So Haggai 1:13. Haggai 1:13. Pardon. Merci beaucoup. Thank you. I just wanted to add that the Septuagint has in some cases additions like in the book of Daniel and so on. And interestingly enough, they are not found in the New Testament. C'est intéressant que la Septante fait parfois des ajouts comme c'est le cas dans le livre de Daniel, mais on ne trouve aucune mention de ces ajouts dans le Nouveau Testament. Peut-être que je sais pas si je pourrais aussi parler en quelque chose par Paul. Bon, la question Septuagint et le Nouveau Testament, c'est pas bien le thème là de d'esprit prophétie, hein, mais c'est quelque chose, c'est intéressant. Parfois, des textes de la Septuagint cités dans le Nouveau Testament peuvent représenter une interprétation d'un texte sans voyelle hébraïque, comme par exemple la citation d'Amos. Quand on lit Édom, peut-être la personne a lu Adam.
Alors, ça veut dire, et ça nous donne des témoignages d'interprétations juives qui existaient déjà dans les premiers siècles, même avant, et qui bien, étaient bien acceptées et bien développées, et que les chrétiens partageaient cette interprétation. Hein, et du texte. On doit se rappeler que le texte n'était pas vocalisé que des siècles après, beaucoup plus après. Alors, on peut voir ça. D'autres, il y a certains mots, on peut plus, mais ce sont très peu ceux qui ont vraiment un texte très différent. Hein, et ça, une question par rapport au texte originel. Mais cette question de l'utilisation de la Septuaginte, c'est pas toujours, c'est 60% du texte cité dans l'Ancien Testament, c'est plutôt le Septuaginte, 30% c'est le texte hébreu, et les autres 10%, on n'a pas vraiment une source qu'on peut repérer par rapport à la Septuaginte. Mais ça montre cette, je pense, comme docteur Davidson a démontré, les propos missionnaires et de la prédication du Nouveau Testament. Ils avaient plutôt référence à une Bible que les personnes pouvaient avoir l'accès et pouvaient voir aussi par eux-mêmes. Mais il y a d'autres questions par rapport à la critique textuelle. Alors là, ça c'est beaucoup plus compliqué. Je pense qu'on ne peut pas exaucer la question ici. Hein. Merci. Alors la dernière question, et peut-être je demanderai à Mario Brito de commencer à répondre à cette question, mais chacun pourra y répondre à sa manière. Et c'est une question d'actualisation finalement, ou d'implication de tout cela pour aujourd'hui, et de défi aussi. Adolescente, c'est une femme qui écrit, 12 à 15 ans, je trouvais passionnante l'histoire d'Ellen White et les pionniers, mais j'aimais lire. Que faisons-nous pour les jeunes d'aujourd'hui qui lisent peu et qui ne sont pas ici avec nous d'ailleurs ? Je pense que c'est un bon défi. Il faut que nous pensions à ces jeunes et comment transmettre notre message, nos valeurs. Je peux vous dire qu'au niveau de Biblical Research Institute, ce que nous avons à Sagunto, on est en train de produire des matériaux pour les jeunes de tous âges par rapport à la création. Mais il faut que nous pensions aussi à la question de l'esprit de prophétie. Je ne sais pas si le White State est en train de préparer quelque chose, je ne sais pas. En tout cas, pas nous. Est-ce que quelqu'un veut répondre ? Yes. Mr. President. Yes. Oui. We actually have an associate director whose primary assignment is to develop materials for Adventist youth. C'est vrai qu'un des défis actuellement du centre Ellen White que je dirige, c'est de créer du matériel pour les jeunes. Une des directrices qui s'est consacrée à ça, autant pour moi. I didn't get all that, but anyway. I'm sure it was all fine. I don't know what you said, but so we are developing materials, and not just the White Estate. The South American Division is producing materials designed for young people. Donc c'est vrai que nous, le Centre Ellen White de la Conférence Générale, nous publions du matériel pour les jeunes, mais nous ne sommes pas les seuls. La division sud-américaine en fait également. And all of these are both on the history of the denomination as well as the ministry of Ellen White. Que ce soit par rapport aux pionniers, au développement de l'Église adventiste, ou en lien avec ce qu'Ellen White a écrit. And the General Conference Youth Ministries Department is promoting things in other parts of the world for young people. Et le département de jeunesse de la Conférence générale tente à promouvoir ce matériel. So without going into a long list of some of the things we're doing, we are working on trying to find projects. And I've even had a couple of people talk to me since I've been here on this campus about what's happening. Et donc je ne vais pas continuer la liste, mais en tout cas sachez qu'il y a des choses qu'il faut promouvoir, et je me réjouis de voir que ici et là, et aussi sur ce campus, il y a plein de belles choses qui se passent. There is also the great controversy, I mean the conflict of the ages series for young people. Il y a une version du grand conflit qui a été, enfin, pas paraphrasé, mais rédigé à destination des jeunes, arrangé pour les jeunes. Adapté. In a more modern language. Dans un langage plus moderne. The reason I didn't mention that is because they're in English.
La raison pour laquelle nous mentionnons cela, c'est que c'est en anglais. And we don't encourage translating them. Et on n'encourage pas forcément à le traduire. And you may say why. Et pourquoi? Because every translation is one step further from the original. Parce que chaque traduction est un pas plus loin que l'original. And the White Estate and the General Conference want to stay faithful to the original text. Et que ce soit le White Estate, le Centre Ellen White et la Conférence Générale est vigilante à vouloir rester au plus près de ce qu'Ellen White a voulu dire vraiment. So if you want to bring out a youth edition in French of some Ellen White book. Et donc si il y avait un projet pour rédiger, enfin faire une version adaptée aux jeunes d'un livre d'Ellen White, both the White Estate and the General Conference would encourage the publishing house or whoever's doing the work to do the work from the original English and not from something that's already an adaptation. Et donc le centre Ellen White et la Conférence Générale encourageraient un tel projet, une maison d'édition ou un auteur, à se baser sur l'original anglais pour vraiment être au plus près du sens originel. That may give you an insight also into the philosophy of the White Estate and the General Conference regarding any kind of translation. Et donc c'est un petit mot aussi par rapport à la philosophie que nous avons au Centre Ellen White et à la Conférence Générale par rapport à cette manière de traduire. We are very concerned that all translations are faithful to the original. Nous vérifions, nous sommes vraiment attentionnés au fait que toutes les traductions soient aussi près que possible de l'original. We are aware of places where that isn't the case. Il y a un endroit où ça n'a pas été le cas. The translator either decided just to drop a few things they didn't agree with. Un traducteur a choisi de couper certains passages avec lesquels il n'était pas d'accord. Or to add a few things they thought might enhance what Ellen White wrote. Et, ou alors d'ajouter quelques petits bouts ici ou là qu'il pensait intéressants pour compléter la pensée d'Ellen White. But the view of the White Estate is that we must remain as faithful as possible to the counsels God gave Ellen White. As she wrote them out. Mais la vision du centre Ellen White est que nous devons rester au plus près de ce que Ellen White pensait, de ce qu'elle a écrit, pour ne pas en dériver. But yes, we do have paraphrases in English, and we have simplified English edition that you were. Donc c'est vrai que nous avons dans l'anglais, en tout cas, une version simplifiée d'une série de livres. But while I'm on the topic, let me just say. Et puisqu'on est sur ce sujet, laissez-moi vous dire. Every translation into any non-English language. Chaque traduction dans une langue autre que l'anglais is a paraphrase. Est forcément, d'une certaine manière, une paraphrase. Ellen White didn't write a word of French or German or Spanish or Swahili. Ellen White ne parlait pas le français, l'allemand, le Swahili. I was in a Spanish-speaking country one time. Les pays hispanophones. And a pastor asked me through the translator. Et les traducteurs qui ont fait ce travail. Aren't you? We were having a question answer, and a pastor asked me through the translator, "Aren't you concerned about this new English paraphrase, Messiah, which is a paraphrase of Desire of Ages?" Est-ce que vous n'êtes pas inquiet de cette paraphrase qui a été éditée, qui s'appelle Le Messie et qui est une paraphrase de Jésus-Christ? I said, "Why should I be concerned?" Et j'ai répondu, mais pourquoi devrions-nous être inquiets? I'm no more concerned about it than I am your Spanish paraphrase. Parce que, dans un sens, avec la version espagnole, qui est aussi une paraphrase, ce serait la même chose. You know, your translation is a paraphrase. She didn't write it that way. Et donc, de toute façon, elle n'a pas écrit la version espagnole de Jésus-Christ, donc une paraphrase anglaise pourrait être autant critiquée. He'd obviously never thought about that. Et donc, il n'avait même pas pensé à ça. So yes, we were concerned about Messiah, that it was faithful also to the text. Et donc, nous pensions que cette version un petit peu différente était malgré tout fidèle au texte. And what we produce for young people, we hope will be faithful to the text. Et donc, nous vraiment souhaitons et espérons que ce que nous publions pour les jeunes est aussi fidèle que possible au texte originel. Or to refuse if it's not actually quoting the text, but we want to be faithful to the messages God gave us through Ellen White. Et si parfois nous ne sommes pas stricts par rapport au texte lui-même, aux mots, mais en tout cas que ce soit toujours fidèle au message qui est contenu dans les écrits d'Ellen White. Chers amis, merci beaucoup pour votre présence ici, chers orateurs, et je crois qu'on peut vous féliciter. On me fait un signe. Alors, je vois qu'il y a encore d'autres questions. Pour des questions, on a déjà dépassé de plus d'une demi-heure le timing originel. Mais on y répondra demain.
Alors on va la garder pour demain. Ça vous encourage à revenir demain. Il y aura d'autres présentations avec d'autres orateurs, en particulier Richard Lehmann et Anna Galinis. Malheureusement, Jean-Luc Roland, qui était prévu sur le programme, est actuellement en arrêt maladie et donc il ne sera pas avec nous. Mais nous lui souhaitons, s'il regarde tous nos vœux de rétablissement, il a une vertèbre cassée et c'est un souci important pour lui. Mais nous aurons plus de temps pour les questions-réponses et une conclusion par Jim Nix. Donc demain matin à 9h30, vous êtes invités à être présents à l'heure si possible. Et nous aurons donc deux présentations et puis ensuite ce temps de questions-réponses et cette conclusion. N'oubliez pas ce soir à 19h30 la possibilité de visiter le centre Ellen White et le musée des archives adventistes qui contient des documents fort intéressants. Je crois que pour la cafétéria, ceux qui mangent à la cafétéria ne doivent pas trop tarder. C'est aussi la raison pour laquelle il faut qu'on ne prolonge pas plus cette longue après-midi. Et bravo à vous tous qui avez été là. Merci de votre présence. Et si vous l'acceptez, j'aimerais conclure avec un mot de prière et je vous invite à vous lever. Notre Dieu, notre Père, toi, l'inspirateur de bien des choses, je crois que tu as été là, au milieu de nous cet après-midi, et tu as permis à nos orateurs de nous éclairer, de nous faire réfléchir, de nous interpeller aussi, de nous stimuler. Seigneur, tu te révèles de bien des manières. Merci pour ta parole qui est si riche, et source d'autant de fécondité dans nos vies. Merci d'avoir aussi suscité des personnes qui peuvent nous aider à toucher et être illuminées plus grandement par cette grande lumière grâce à des petites lumières. Et merci pour ce que Ellen White a pu écrire, pour sa vie et l'exemple qu'elle a été. Seigneur, que nous puissions incarner aujourd'hui tout ce que nous lisons, tout ce que nous recevons, nous sachions aussi donner envie, et comme on le disait à la fin, j'ai envie de prier en particulier pour les plus jeunes, nos enfants, afin que nous sachions mettre de côté parfois nos polémiques, nos frustrations, nos limites, mais que nous sachions toujours être renouvelés par toi, Seigneur, et donner envie aux jeunes et aux moins jeunes, aux adventistes et aux non-adventistes, de marcher à toi suite, toi Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Sois avec nous pendant la fin de cette journée. Bénis le ministère de chacun ici, des orateurs qui sont venus des quatre coins du monde pour partager avec nous. Continue de bénir chacun d'entre nous ici présents, que nous venions de la région de Collonges ici ou de plus loin, et que chacun puisse avoir à cœur de vraiment être participant de ce plan du salut et être au bénéfice de ta grâce, Seigneur. Je t'en prie au nom de Jésus. Amen. Bonne soirée à tous et à demain matin, 9h30.